Donc là, on va se faire le gros ouvrage de reste-fond. Donc celui-là, il est assez balèze. Il y a plusieurs tourelles. Donc on va faire attention. Donc moi, je suis venu ici il y a quelques temps. Par terre, c'est des rails, si vous voyez. Donc je suis venu il y a quelques temps et j'ai pas fait gaffe, en fait. Je me suis pris un trou. Il y a plein de trous comme ça. Donc là, on va faire très attention. D'ailleurs, dans le trou, normalement, il y a encore mon téléphone qui est tombé. Si j'enlève le cube, on devrait le voir. Ah ben là, je suis tombé là-dedans, en fait. Hein. Il fait 6,50 m d'eau glacée. Là, il y a une petite salle. Celle voûtée. Rien de spécifique, rien d'intéressant. Et cette salle, en fait, j'étais entré dedans. Là, normalement, je crois qu'il y a des échelles. Il y a une échelle, pardon. Alors, j'avais pas vu la flotte où je suis venu. Donc là, ça grimpe assez haut. Et ça donne sur rien, en fait. Je crois que c'était des échelles de service pour entretenir certainement la tuyauterie. On fait attention de ne pas se rendre un trou. Là, il y a encore un lit. Là, il y a tout le câblage électrique, intact. Là, on a une machinerie. Donc là-bas, on n'était pas allé. Ah, attention, il y a un trou là. Il y a une salle qui donne sur rien. Je pense que ça doit être l'équipe d'entretien là. Vide en garde des dépôts. Là, on continue à avancer. Donc, par terre, vous voyez, il y a un rail. Hein, il doit y avoir des wagonnets pour transporter les munitions, certainement les charges lourdes. Là, pareil, les rails s'arrêtent. Alors, je sais que le fort n'a pas été terminé. Je ne sais plus trop pourquoi. Je crois que la guerre s'est précipitée ou ils n'ont pas eu le temps de le terminer, en fait. Hein. Il y a des galeries qui ont été creusées qui n'ont pas été terminées. Donc là, il y a une petite galerie par là, une par là, une par là. Donc, les flèches rouges, c'est les mêmes flèches qu'on a vues dans d'autres bunkers dans le coin. Fais gaffe au trou. On va s'aventurer par ici. Donc là, je crois que c'était les latrines. Ouais. Donc là, pareil. Ça va être à la fosse septique, certainement. Alors, c'est des latrines de partout. Hop là. Le château. Alors, là, ça doit être les sanitaires. C'est fou, c'est que les paillettes, elles sont intactes. Les bombes, pareil. On voit que l'inox de l'époque était très bon. Je crois que ça a presque 100 ans. Ni plus. C'est vachement bien conservé, quoi. Donc là, il y a des cabines à part. Je sais pas si c'était peut-être pour les grader ou la porte est verrouillée. Alors, il y a une pièce ici. On voit des citernes. Alors, est-ce que ça doit être les cuves, soit les citernes d'eau potable, soit les citernes à fuel. C'est fou, c'est que c'est vraiment en bon état, quoi. 50 ans. Là, pareil, ça doit être la fosse septique, je pense. Hein. Donc là, on voit des vannes de coupure. Pour moi, c'est
Je pense que c'était les citernes d'eau potable. Là, il y a du bois d'époque, il est un peu pourri, mais franchement, il est tenu. Donc là, je pense qu'on a rejoint le couloir de par où on est venu. C'est ça, exactement. Voilà, donc on est venu par là. On a pris un peu d'avance parce que je crois qu'il y avait l'autre côté, si j'ai pas de conneries. On revient sur nos pas, hein, parce qu'il y avait une galerie qu'on n'a pas fait. Donc là, c'est où on était. Fais gaffe, fais vraiment gaffe au trou. Hein. Donc on est venu de là. Donc là, il y avait un point d'eau. Et donc cette galerie, on l'a pas faite. On va prendre les flèches rouges pour repère. Là, le risque, c'est de se perdre. Donc là, on est... Ah bah tiens, une chaudière. On a une belle chaudière, ici. Donc on est sur cette technique. On va s'approcher un peu. Le boîtier qui a été pillé, bien sûr. On a piqué le cuivre. C'est dommage que c'était saccagé. Donc c'est bien la tuile de fumisterie qu'on retrouve de l'autre côté là. Ah, c'est mouillé. On va bien ouvert fermé. Alors ça c'est une belle chaudière ça. Belle chaudière au sol. Il n'y aurait pas la marque par hasard. Alors. Ramonné souvent. Là, tiens, c'est bien, je suis précisé à l'époque. Hein. Maintenant. Quand même du sacré matos. Voilà, c'est devenu du papier à cigarette. Donc là, société râteau. Bon, c'est des sociétés, je sais pas si ça existe toujours, mais oh, c'est magnifique. Vous voyez, ça c'était vraiment du matos. Hein. Alors, donc, la flèche rouge indique la sortie. Pas oublié. Donc là, ça sent vraiment le fioul, ça sent vraiment fort le fioul. Donc là, ça, si j'ai pas de conneries, ça doit être le disjoncteur. Le disjoncteur du fort. Ça va sacrément balèze. Moi, je suis pas électricien par contre, hein, ça je comprends du tout, mais pas sortir de Saint-Cyr pour que là, c'est une poignée d'urgence pour couper. Vous pourrez enclencher si jamais ça saute. Donc, le groupe électrogène ne doit pas être loin. Mais à mon avis, je pense qu'il devait être là. Voilà, c'est dégueulasse par terre. Je suis en train de tuer les godasses. Donc là, on voit des tubes de fumisterie encore. Ça doit être du 250, voire du 300 diamètre. Il y a une grille. Les câblages, ça a été pillé. Excusez-moi, je vais essayer de filmer là où j'étais, parce qu'en fait, je me rends compte depuis tout à l'heure, je ne le fais pas. Donc là, on arrive de suite, il y a du carrelage. Donc, ça change de niveau. Alors là, attention, c'est plein de flotte. Oh là, c'est monstrueux ici, donc je pense que... Ah ben oui, voilà, voilà le groupe électrogène. Donc je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer d'avancer sans me foutre en l'air, parce que là... C'est rempli d'eau par terre, c'est envahi. Éclaire bien tes pieds. Éclaire-moi s'il te plaît. C'est un éclairage supplémentaire, voilà, que vous puissiez bien voir. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vois que là, il y a tous les collecteurs. Alors ça c'est pas la pièce où on était tout à l'heure là-bas, avec les citernes. Là ça doit être la citerne de fioul je pense, parce qu'on a... Oh, wow, 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 wow. Oh, je suis pas passé loin. Donc là, il y a des boulons, il devait y avoir les outils ici, ou les clés certainement. Attention. Donc ouais, je reviens, je pense que c'était les citernes de fioul. Reste là, ne bouge pas. J'ai piqué sa lampe. Je ne bouge pas pour longtemps. Donc là, c'est aussi des citernes. Donc à mon avis, c'était des citernes de fioul. Donc là, on passe par là.
Donc là, on a les groupes électrogènes qui sont monstrueux. Il y en a trois, il y a trois postes. Donc, bien sûr, ils ont été pillés, démontés. Alors, reste tout silence, là, ça glisse. Je vais juste signer ça. Alors, ce qui est fou, c'est quand on regarde la qualité de l'inox, le truc, il est intact. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Les matériaux, bon après, on a une mercée militaire, hein, c'est sûr. Mettez pas de la merde, hein, mais comme je dis, ça fait presque 100 ans, voire un peu plus. L'inox n'a pas bougé, quoi. Alors, AMP, réparation Nice, relevé 18-8. Est-ce que c'est d'époque? Je présume que c'est d'époque. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, AMP, ça serait cool, dites-moi-le dans les commentaires. Moi, je suis pas électricien. Alors, c'était du jargon électricien, je sais pas. On va passer par là. Fais gaffe où tu mets le pied. Donc là, on va pas aller plus loin, on va sortir. Hop là, marche bien sur la plaque. Hein. Ça serait dommage de la foutre en l'air. Tu gères ? Allez. Donc là, pour ce côté, c'est bon. Donc là, on a fait. Donc flèche jaune et verte sortie. C'est toi qui as fait ce bruit ou... Bon, je pense que il y a pas mal de gens dehors. Donc... Alors, dit Kulkengas. Donc là, on est passé. Si tu arrives à essayer de nous éclairer en face, comme ça, ça met un plus. Alors là, il y a deux galeries. Une galerie là. Une galerie là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la droite. Je crois que ça va en direction des canaux. Oh punaise, c'est énorme. On sait plus où aller là. Alors. Une petite salle ici. Donc là, carrelage blanc. Cuisine ou sanitaire. J'ai les pieds trempés, j'ai failli noyer là. Il y a une flaque d'eau là, c'est monstrueux. On marche dans le flotte. Ah, on va pas aller plus loin là, c'est juste une salle sans plus. Ah, marche sur les talons si tu veux pas te tremper. Donc là, c'est quoi? Ça fait le tour. Ok, ça passe de l'autre côté. Donc là, partie électrique. Voilà. J'ai les pieds trempés, l'eau doit être à moins 5 degrés, là je sais pas, c'est glacé. Donc on est venu par là, on continue à progresser. Alors, une petite salle, pareil, avec partie électrique. Il y a des rails sur le côté en hauteur, c'est bon, je sais pas, pour pendre des fusils, des trucs comme ça. Donc là un truc sans fond. Alors, une bande tête rouge, une planche au sol, j'aime pas trop. Il y a toujours des rails. Donc là, les rails, ça continue, ça va jusqu'à là. Donc on dirait que c'est pas terminé. Alors, là, c'est juste des petites pièces hein, sans intérêt pour l'instant. Attention à la flotte, là. Je mets pas le pied dedans, c'est pas ce qu'il y a, si c'est stable ou pas. Alors, ça continue, c'est monstrueux. Alors là, c'est fou parce que... Là, c'est dans la roche directement, quoi. Alors, est-ce qu'ils ont commencé à creuser? Ils ont pas terminé... je sais pas. En tout cas, là, il y a une extraction d'air, pardon.
Oh, allez, encore foutu le pied dans l'eau. Bon, je pense que je crains plus rien. Donc on va repérer les flèches, donc on va suivre. Donc flèche jaune, jaune et verte, vers sentir, hein, toujours. Alors là, il y a un os. Alors j'espère que c'est pas un os humain. Ouais, il est assez balèze, hein. J'ai un os de bœuf, on a un genou, je sais pas ce que c'est. Et là, je vous avoue, ça commence à cailler, là. Il y a du salpêtre sur les murs. Donc, sortie bleue. On a vu par le bleu, tac, orange. Ça, c'est Denis, tiens. Salut, Denis. Si un jour tu vois la vidéo. Je vais voir là, bon, ça continue un peu là-bas. Donc là, il y a un mont de charge. Je recule un peu que vous puissiez le voir. Tiens, tu peux juste avec la main, s'il te plaît, quand. Comme ça, on voit un peu mieux. On s'en verra après. Là, il y a des escaliers. Alors, essayez de faire gaffe dans les escaliers, que ça ne s'éboule pas, que ça peut s'ébouler. Voilà, ça grimpe, hein, ça grimpe sac. Alors là, il y a une ouverture sur les machines. On voit qu'il y a de la bougie par terre. Putain, ça grimpe sec. Sortie. Il y a une sortie en extérieur. Là, il y a des latrines. Pièce énorme. Là, j'avoue que ça manque un peu d'air. Bizarre ça. Alors, ce petit bonhomme vert là, qui est célèbre, vous avez pu le voir dans plusieurs vidéos. Alors voilà les sagouins. Ça vient squatter, puis ça repart pas avec ses déchets, quoi. Ça, c'est dégueulasse. Donc, il va sortir par là. C'est bon de savoir. Si jamais on ne retrouve pas, la sortie par laquelle on est rentré. Hop, désolé, hein, je suis en train de grimper. Hop. Donc, une belle sortie par ici, ouais, effectivement. Hop là. Désolé, voilà le temps de me reprendre. Donc là, il y a un canon qui manque. Alors, ils ont fait en sorte qu'on puisse monter. Tiens, tu peux me dire s'il te plaît. Attends, je grimpe, tu le repasses en haut. Enfin, je ne fais pas tomber. La vidéo s'arrête là. Ah, c'est bien parce qu'il y a ça, mais il n'y a rien pour les mains. Alors c'est dit ça. On va essayer de planter le cal de la peau pour accrocher. Hop là. Tiens, tiens, on va passer le câble s'il te plaît. Hop. Merci. Hop là, voilà. Je reprends le relais. Donc voilà, vue d'en haut. Moi je viens de là. Alors, là il y avait des ouvertures. Oh, là c'est merveilleux, il y a un canon. Donc là les gars, il y a encore le canon, quoi. Alors voilà à quoi ça ressemblait. Un petit peu, désolé, le zoom est dégueulasse, hein. Donc il me reste plus que cette cam, j'ai plus de batterie dans l'autre. La qualité va pas être terrible, normalement je suis en 1080p, mais bon. Voilà, il y a le canon, ça c'est génial. Donc, voilà, c'est un canon articulé, il y a une espèce de bille autour en fait. Donc ça ressemble à ça, donc il y en avait un là,
Donc là, meurtrière, certainement une mitrailleuse, donc un petit fossé. Là, un volet fermé, il est déjà avoir un canon. Donc là, il doit y avoir, je pense, qu'il doit y avoir des tourelles. On est rentré par là, donc on va re-rentrer par là pour finir. Encore aux déprises d'air. Ah ouais, quand même. Donc là, quand même, il y a un treuil. Désolé, il y a du vent. Hein. Là, c'est la route qu'on a pris tout à l'heure. Ah, voilà. Donc ça, je pense qu'on va voir plus tard. Il y a trois tourelles ici. Qui prenait sur la vallée, là. Donc, je rappelle encore. Imaginons, il est assez bon cœur là, il nous défendait. Donc là, on retourne. 2004. Tu vois où il fait peur ce truc quand même. Allez. Donc on sait qu'il y a une sortie par là. On capte les pas. Donc là, il y a des capteurs par terre. Donc le mont de charge qu'on a vu en bas. Ça continue à monter, on va monter. On va voir ce qui se trouve en haut. Là, c'est bizarre. Une cage. Alors, ça grimpe là. On dirait la machinerie pour le compte charge. Ouais, la puce. Ouais, la machine pour le compte charge. Le compte charge s'arrête là. Et là, on arrive. Oula, d'accord. Donc ça, c'est le canon. Là c'est beau. Là c'est le canon qu'il y a dehors. Là, je pense qu'il devait stocker les munitions. Frein de tir. Donc là c'était articulé, c'était pas l'angle de tir. Bon, je sais pas du tout comment ça marchait, mais on voit qu'il y a des poulies, qu'il y a des chaînes. Donc le canon qu'il y a dehors c'est ça. On voit le canon, on voit à peu près le diamètre de tir. Moi, c'est du 80-90. Enfin, je ne sais pas si ça correspond au diamètre d'obus, de peut-être un mortier, je ne sais pas. Ce qui est fou, c'est que c'est, ça a l'air intact. C'est vraiment, vraiment bien conservé. Donc là, il y a cette plaque là qui est reliée par des chaînes, donc qui est amovible. Alors, je ne sais pas si ça devait... Ça a débouché le canon. Alors, si vous savez à quoi ça sert, dites-moi-le dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, je suis très curieux. Voilà cette plaque là, qui est articulée, donc qui doit remonter. Est-ce que ça vient obstruer ce trou? J'en sais rien. Est-ce que ça vient protéger? Est-ce que le canon doit avancer un peu plus et que ça vient. Enfin, je sais pas. Dites-le-moi dans les commentaires, j'apprécierai. Allez, on va poursuivre. Donc là, il y a le deuxième canon. Donc celui qui est manquant, parce qu'on ne voit pas à l'extérieur. Donc il y a des contrepoids au bout. Pareil, hein, c'est articulé. C'est vraiment, vraiment bien conservé. C'est-à-dire que ça, ça a dû envoyer du lourd. Là, il y a des casiers. Là, il y a une porte monstrueuse. Donc je pense qu'il doit y avoir un accès par le haut. Quand il y a des portes comme ça, c'est si jamais la nuit réussit à pénétrer à l'intérieur. Donc là on voit qu'il y a un poste, il y avait un établi, du moins il devait y avoir les radios dessus certainement. Et là, alors ça je ne l'ai jamais vu sur les autres. Je pense, si je ne veux pas dire de conneries, hein, vous allez me dire hein, si je dis conneries ou pas, mais à mon avis, ça servait à recevoir les douilles
qui était éjectée et ça devait les balancer là-dedans et elle devait être récupérée plus bas. Donc certainement dans un des conduits qu'on a vu, donc c'est peut-être pas un conduit d'air là. C'est la première fois que je vois ça en fait, les autres ça y était pas. Ça bouge encore, c'est articulé. J'essaie de le pousser de l'autre côté. Ok. Donc en fonction, ça devait tourner avec le canon, je pense, hein, en fonction de l'orientation, et ça recevait les douilles. Donc là, je pense que c'est la lucarne avec la mitrailleuse qu'on a vu en contrebas. On va monter par là. Et là. Alors pareil, hein. Ah bah c'est par là qu'on a monté, ouais. Donc c'est ça là qu'on a vu, l'autre j'avais pas vu. Avec ses coffres. Ces coffres, je sais pas ce que c'est gardé, ça peut garder des missions certainement, des documents, enfin je sais pas. Des documents dont je vois pas trop pourquoi, mais. On va continuer. Voilà, ça donne sur une pièce fermée. Alors, donc la porte là, c'est pas parce qu'il y avait une entrée. À mon avis, c'était fait pour protéger l'accès au canon en cas de prise du fort. Pour pas que le canon tombe sous les mains de l'ennemi. Parce que ça, c'est du balèze. Hein. C'est vraiment du balèze. Ouais. Donc ça protégeait bien les canons. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça c'était collé il n'y a pas longtemps parce que. Irritant pour la peau, ne pas respirer les poussières. D'accord, mais qu'est-ce qui est irritant pour la peau? C'était collé comme ça ou. Alors je sais pas si c'est les peintures ou. Je n'ai pas vu sur les autres. D'accord, alors pareil, des douilles partaient là-dedans, ok voilà pourquoi je n'ai pas vu sur les autres, parce que c'est comme ça. C'est magnifique. Hop, inscription. Alors, support d'appui 23 x 1933 batterie K. Foire ou poire? Je vais pas dire, c'est effacé. Poire, Loire. Ah, du 23 Loire 1933 batterie K. Non, c'est fou. J'avais pas vu ces inscriptions. Donc, on refait machine arrière. Donc là, on est arrivé au sommet. Donc, dans un souci d'économie de batterie, les gars, pour pouvoir continuer à vous filmer la suite, on va couper. Allez, on reprend juste en bas au pied du mont de charge. Voilà, donc on a notre bout, on revient là, pour vous montrer un petit peu, c'est là tout à l'heure, on hésite entre gauche et droite, l'entrée elle est là-bas au fond, donc nous on est passé par là, et maintenant on va faire cette allée, fais gaffe au trou, ça va très vite, on va faire cette allée qui est monstrueuse, donc là, des salles sans plus, hein, sans intérêt particulier, on va voir quand même. Donc toujours un poste électrique. Ah, lumière du jour, non. Bon non, ça tourne, donc on retrouve l'allée. Alors certainement des postes de garde, je dirais. Donc là, il y a la flotte par terre. Attention au trou. Si tu arrives à l'éclairer en backup, ça serait cool. Merci. Donc là. Jouer une échelle, ah, on a une porte blindée, je dirais un accès aux tourelles, ça serait cool. Deuxième sens, porte blindée, avec le carme pour pouvoir mitrailler, et voir surtout. Donc là je pense qu'on va enchaîner sur une des tourelles. Oh, ça grimpe bien. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, tiens, je grimpe tellement en visu. Oh, on va ramener ça. Je vais me foutre un coup dans la gueule du cam. Il n'a pas trouvé. Désolé les gars, pour la vue, je vais grimper comme ça. Ça me permet de bloquer avec mon bras. Sinon, j'ai plus de mal, c'est tendu.
Bien qu'il y ait un monsieur, j'ai vu sur des vidéos, sur YouTube, un monsieur qui n'a qu'un bras et qui l'a fait. Donc respect pour ce monsieur, s'il voit la vidéo, chapeau, franchement chapeau, parce que moi j'y arrive pas. Alors, deuxième coup dans la gueule du cam, je l'ai baptisé là. Donc on va poursuivre. Voilà. Petit électrique. Et je pense que là, ça s'enchaîne sur la dernière touronne, si je ne dis pas de bêtises. Alors donc là, c'est bizarre. Alors, il y a ces boîtiers, je ne sais pas ce que c'est. Chaque fois, il y a ces boîtiers. Je ne sais pas ce que ça pompe. Il y a des pompes manuelles. Bon, là, ce n'est même pas la peine d'essayer. Celle-ci, elle est bloquée. La graisse, c'est fou parce que cette graisse, je sais pas ce que c'était, mais peut-être bien cancérigène par contre, parce qu'elle tient bien. Et donc ouais, là je crois qu'on est, sur la dernière tourelle, et celle-là je crois que je l'ai lu parce que je vois que le siège est carrément déteint. Il y a des inscriptions, l'échelle simple stretch, donc on va enlever le sac. Là je vais pas passer, c'est clair. Tu me tiens. Allez, on va grimper. Donc là c'est vachement étroit, je suis content d'avoir perdu un peu de poids parce que je ne serais pas passé là il y a quelques temps. Je vais me taper la tronche, ça fait très mal. On est le calme. Bon, désolé les gars, j'ai besoin de mes deux bras là pour m'extraire. Donc là si on voit différence de qualité visuelle et différence de son aussi parce que c'est pas les mêmes appareils. Donc là du coup, reste pas en dessous. Hein. J'ai toujours ce fauteuil donc il est amovible. Ah ben là, il y a un reste du canon. Si c'était un canon en fait, hein, je sais pas, je viens de vous dire. C'est bizarre. Donc ça me donne un peu plus d'idées sur ce que c'était par rapport à l'autre. Donc la manivelle fonctionne, bon, on va pas tenter le diable, hein. Je veux pas rester coincé ici. On va monter là-dessus. Alors, ouais, vu le diamètre, je pense que c'est un canon comme il y a en bas. Donc là, c'est la vue extérieure. Non, je ne sais pas si vous avez entendu, donc c'est la vue extérieure en fait. Alors, pareil, est-ce que ça tournait? Je ne sais pas si... si la tourelle en elle-même est articulée, ça je peux pas vous dire, si vous le savez, si vous avez ces notions, si vous êtes intéressé au militaire et que vous connaissez, dites-moi s'il vous plaît. Ça m'intrigue parce que si on a un petit canon là comme ça, à moins que je vois que là c'est conique, il devait peut-être y avoir une boule qui bougeait comme ça en fait. Mais ça limitait l'angle de tir en fait. Bon là, c'était stratégique. Hein. J'essaie de vous caler le pied. Voilà, ça c'était le point de défense qu'il y avait. Bon, on va redescendre, hein. Je pense qu'on a terminé, à moins qu'on trouve autre chose, on va voir. On va continuer dans tous les cas. Il nous reste un côté, donc ça va être le côté gauche, on est parti du côté droit. Donc on va redescendre. Bon, voilà, là ça va être chaud patate. Bon, bien sûr, je vais couper. Donc, on se retrouve en charge. Là, il y a des machines, je ne sais pas si c'est la machine de charge, puisqu'il y en a en haut aussi. Toujours ces rails. Wow. Alors là, c'est monstrueux. Je ne sais pas si c'était déchambré, certainement. Il y a un écho. Petite pièce sans plus. Pareil. Voilà, s'il n'y a pas trop d'intérêt, des deux de stockage. Bon, la petite vaisselle que tout à l'heure. Et pareil.
On laissera maintenant par ici. Donc je pense qu'on va poursuivre sur le côté gauche. Là on va aller pris côté droit. Donc maintenant on va aller de l'autre côté. Attention au trou. Hein. On va aller de l'autre côté. Et je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que l'autre côté, c'est la galerie qui n'a pas été terminée. Attention au trou. Faire bien. Donc nous, on est venu par là. Hop là, attention, tu vois, 2 minutes de distraction, c'est comme ça que ça arrive. Attention, attention là. Donc là, ah ouais, balèze, éclaire-moi s'il te plaît. On va faire une batterie. Donc là, c'est les chambres. Donc, il y a 3 rangées de lits. L'autre côté, pareil, avec un peu moins de lit, mais c'est fou qu'il y a encore le lit. Les tables. Donc voilà, je pense que c'était le casernement. D'avoir l'équipage. Et là, plus rien. Donc, l'écoulement d'eau, certainement pour l'écoulement d'eau roche, hein, parce que c'est creusé dans la montagne. Donc, on vient de là-bas, hein. Ouais, on vient de là. Flèche rouge, donc là. Ah, voilà, c'est les citernes qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça vient jusqu'à là. Donc ça pour moi c'est l'eau potable. Parce que le chou, c'est un peu plus. Oui, il doit peut-être y avoir les deux. Alors là. Bon, c'est des urines noires. Attention trop. Et là, on retrouve. Il y a des brides, une canalisation, je ne sais pas de quoi, mais apparemment ça n'a pas été terminé là. Donc on est peut-être sur la galerie qui n'a pas été finie. Attention, on pense au pied. Donc ça s'arrête ici. Alors pareil, les chambrées. Voilà. Extraordinaire, c'est comme les autres. On voit à peu près la capacité en homme. Vous avez la flotte qui est là-dedans. Bon, c'est éclairé, bien sûr. C'est éclairé, hein, mais ça peut être plus trop fort, quoi. Donc on vient là-bas, flèche rouge, ok. D'abord, je prends souvent mes repères, hein, parce que j'ai pas envie de me perdre. Donc là, par contre, d'accord. Donc les risques d'éboulement, c'est peut-être là-dedans. Là, c'est la galerie qui n'a pas été terminée. Je vais tout voir que ce soit stable à ce niveau-là. Alors, si c'est dangereux, on fait machine arrière, les gars. Oh là, ça a vibré là. C'est monstrueux. Donc là voilà, on voit, c'est bien avec l'éclairage, ça n'a pas été terminé en fait. Donc c'est un mur au fond et là bas pareil, c'est muré. Là il y a des rondins de bois, hop là, attention ça glisse, des rondins de bois monstrueux. Et ça je pense que c'est les étés avec lesquels ils ont fait le, vous voyez là, la voûte. Et c'est stalagmite ou stalactite, je sais jamais, vous voyez, qui se forme. Et là, on voit pas très bien. Voilà. Donc c'est des bois voûtés en fait. Hein. Je pense que c'est les gabarits. Enfin, ça doit être les étés pour ces voûtes. Il y en a plusieurs. Voyez, ils sont posés. Donc, ouais, bien que le travail n'a pas été terminé. Marche pas au milieu, ça s'effondre apparemment. Parce qu'il y a une alerte à l'entrée. On prévient un risque d'éboulement. De chute de pierre, donc voilà, ça n'a pas été terminé. Attention, on ne bouge pas, retoucher. On va pas aller plus loin de toute façon. Voilà. Ah.
uniquement là où c'est du bois. Bon, la galerie se termine là-bas, donc on va faire machine arrière pour ce côté. Tiens, Hector, tu tiens bien le sol, vraiment lourd. Parce que là, tu as eu. Alors, juste, j'explique à mon binôme. Vous voyez, ça s'affaisse là, je sais pas si on voit bien. Et, donc, je sais pas s'il y a un sous-sol ou quoi. On va pas prendre de risque. Le bois est pourri, donc marche sur les côtés plutôt. Parce que si c'était un bois pour se protéger d'un trou, vu la gueule du bois, il vaut mieux pas marcher dessus, quoi. C'est là que ça a vibré tout à l'heure. Donc j'ai passé. Voilà. On était là, la flèche rouge. On y est allé là-bas? Oui. Donc il nous reste là. Ah, attends, je retrouve. Là on s'enfonce dans le froid parce que ça commence à cailler. C'est plus frais que l'autre côté. Donc quand on sort, à droite pour continuer. Je vais m'approcher pour ce qu'il y a. C'est vraiment, vraiment bien écrit. Alors, c'était 1990. T'as entendu? Je sais pas si vous avez entendu. Un bruit de tôle. Ça a vibré dans tout le fort. Donc là, une porte section blindée, donc ça protège certainement le canon, je présume. Alors on entend la tôle. Tu m'éclaires. Je vais essayer d'aller voir si c'est valable. Tiens. Si ça vaut le coup ou pas. Si ça vaut le coup, je redescendrai et je prendrai la cam. On va voir vite fait parce que là, je vais grimper plus vite avec deux mains. Alors, ça va sur deux tourelles. Bon, c'est des tourelles comme on a fait. Comme on a fait en bas. Je vais pas vous embêter avec ça, ces deux petites tourelles qu'on a fait là-bas. Bon. Je vais pas vous faire perdre un quart d'heure de vidéo. Là par contre c'est bon ce que vous voyez. Ça avance. Là, bon, on a une chambre. Une chambre B. On flotte la lampe, parce que j'ai l'impression qu'on voit rien sur le. Attention au couloir. Donc là, sacrée porte, c'est là. Elle a pris dans la gueule, les charnières sont éclatées, donc je sais pas si c'est dû au temps ou si elles sont fait prendre d'assaut. Donc ben ça c'est en fait de sécurité, deuxième porte blindée avec la vue. Et là par contre, donc là les bandes rouges, je trouve que ouais. Quand il y a ça, c'est que faut pas y aller généralement. Ça vient sûrement s'ébouler. Attention là, c'est la flotte. Le sable. Donc ça donne sur l'autre côté. Et en fait, on est arrivé en bout. On est arrivé en bout. Donc là, on a bouclé. On a bouclé donc c'était le fort de Restefond. Très plaisant, parce que. Il est énorme en surface. Il est énorme. Il y a plus grand bien sûr, mais celui-là il est énorme. Et si, surtout c'est un gros ouvrage. C'est les cuves, donc je crois qu'on s'est rapproché de la sortie. Attention trop, on ne fait pas comme moi tout à l'heure. Voilà, bon bah écoutez, on l'a bouclé. On l'a bouclé. Bon ben, je suis content de revoir, je vous avoue, la lumière du jour. C'est surtout pour me prendre une bouffée de soleil, parce que là, j'ai les doigts, je les sens plus. Ça va, on est en août, mais pour vous dire, on est en août, et là, je sais pas, il doit faire, allez, j'irai 5-6 degrés quand même. Donc nous, on est en short et en t-shirt, donc ça va être chaud patate. J'enchaîne un coup.
Voilà. Bon, ben, sur ce, les amis, on va boucler cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.